La houle en baisse et du vent encore offshore ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps soleil dégagé, il fait chaud, la température extérieure est à 25 degrés, la température de l'eau est à un bon 17 degrés. La marée commence tout juste à remonter, le plein haut est à 17h avec des coefficients de 68. Sur ce tout début du remontant, le vent est encore offshore, mais pendant. Alors, début de la vidéo, c'est offshore. Fin de la vidéo, c'est encore offshore, mais pendant tout le temps où j'ai filmé, j'ai eu toutes les directions. J'ai eu est, ouest, nord, sud, et à chaque fois il revenait est. Donc quand je suis parti, c'était encore offshore, faible à modéré, plutôt est. Il est plein est, le vent. Un beau fort établi, des rafales à deux, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, mais on voit qu'il hésite et qu'il va tourner dans pas longtemps, a priori. Donc c'est propre. Et on a une houle longue de 11 secondes de période d'orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, en atténuation. 50-80 cm en déferlement régulier, 1 mètre à un bon mètre au Siri. Peut-être 1,20 m par moment, mais qui est vraiment pas dominant, c'est plutôt 1 m. C'est cette taille de vague-là, là. C'est joli. C'est mignon. Du petit surf, il y a du monde à l'eau partout. Les débutants passent la barre. Voilà, c'est facile, tranquille, pépère, il y en a pour tout le monde. L'évolution pour le reste de la journée, la boire, cachant que Gascogne est à la hausse, de nouveau à 1,20 m et 7 secondes. La houle va regrossir cet après-midi et ce soir, avec un vent qui est attendu se renforcer en brise de nord soutenue. Ce qui nous donne en prévision à 13h 1 mètre, houle ouest-nord-ouest à nord-ouest en seconde de période, avec un vent qui devrait être peut-être nord-ouest faible à modéré, comme il a du mal à se lever, 1 à 2 Beaufort. Et à 17h, on attend 1 mètre à 1 mètre 20, houle ouest-nord-ouest à nord-ouest avec 12 secondes de période, et un vent qui est attendu nord-nord-ouest, 4 Beaufort. Ça devrait se dégrader cet après-midi. Et en toute fin de journée, il y aura plus de taille. On sera vers 1,20 m, 1,30 m, puisque la bouée Brest a eu un pic ce matin à 2,20 m et 8 secondes. Ça va arriver à la Canoë en fin de journée. Quoi qu'il en soit, meilleur créneau en première partie de journée à la Canoë. Et je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08, 92, 29, 78, 73 à 14h, 16h et 18h en vous souhaitant une bonne journée.
là ou non.